Matthew chapter 17. We will read verse 1. Verse 1 to verse 6. To verse 8. Matthew 17, verse 1 to 8. Matthew 17, verse 1 à 8. M'appelez pas ça, il sera pour même matin. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Amen. Matin, moi, j'aimerais utiliser le passage ça pour moi, pour me parler de un bagage qui est très important pour moi, pour me parler sur ce sujet ça, connaître Jésus comme il est. Connaître Jésus comme il est. How to know Jesus as he is. Et dans Matthieu 17, nous joignons que Jésus-Christ et prend 3 disciples. Et puis les conduit vers une montagne. Et puis là, prend temps pour le dire que les conduit. Pas oublier, c'est 12 disciples Jésus qui gagne. Il prend 3 là avec eux sous tête maintenant. Côté 9 février, en bas maintenant. C'est ça que je veux noter. Et 3 que le prend, il monte maintenant avec eux. La Bible a fait connaître que il conduit à l'écart. À l'écart. Il took them aside. He's going to show them something. They are going to experience something unique that they have never experienced before. Et leur lit passage, ça, m'aime attirer attention sur le fait que c'est 3 que le prend. Et Bible a cité nous, Pierre, Jacques, Jean. Et il y a le sous-tête maintenant. Et côté l'autre 9, en bas maintenant. Et Bible a fait connaître que pendant il sous-tête maintenant, et Luc 9, qui a l'autre version de ça qui passe, fait connaître que Jésus a prié sous maintenant avec eux. Et Bible a fait connaître que pendant que les sous maintenant, Jésus transfiguré devant eux. Pas oublier, c'est Jésus-Christ qui menait eux sous maintenant. C'est lui qui conduit eux. Et le pape prend tous les 12 noms, combien il prend? 3 seulement. Nous ne savons pas pour quelle raison, mais c'est 3 le prend. Et s'il conduit au sous-monde, il y a un bagage livre à apprendre, il y a une expérience que vous pouvez faire. Ce n'est pas tous les 12 qui mènent au sous-monde, c'est 3 seulement. Et puis, il dit que le arrivé au sous-monde avec 3, il change de visage devant vous. Il te connaît Jésus dans Jean, il connaît régulièrement. Jésus-Christ est allé au sous-monde pour yo wel nan salye tout bon pour le montrer vrai visage li. Et Bible fait connait que non seulement le transfiguré devant yo visage li resplendit
Et Bible a utilisé image soleil pour montrer que pour montrer Jean visage qui t'a shine, t'a resplendi. Et verset a continué pour dire que la de Jésus-Christ vient blanc comme la lumière. Et il est évident que disciples saisissent ça hier. Jésus en bas maintenant, pas même Jésus à Jésus sous tête maintenant. Jésus en bas maintenant son visage. Jésus sous tête maintenant son autre visage. Jésus en bas maintenant c'est Jésus homme. Jésus sous tête maintenant c'est Jésus Dieu comme il est. Jésus en bas maintenant c'est Jésus qui est devenu homme pour nous sauver. Mais Jésus-Christ qui montait sous tête maintenant, son Jésus-Christ qui montrait à trois nos disciples, mais vraiment maintenant. Mais à qui ça me vraiment semblait. La Bible a dit, les transfigurés. En d'autres termes, pas oublier, gon changement qui fait là. De pouvoir être trans dans un mot, gon changement qui fait. Il passe d'un état en l'autre, d'un visage à un autre. Et même Radli a resplendi. Verset a dit. Et pendant sa fête là, la Bible a fait qu'on est que gain deux serviteurs de Dieu, que nous connectons mourir. Il y a un au moins, Moïse. Bon, Moïse est mort, bon Dieu défend entièrement Moïse. Élie, bon, pour Élie, nous connaissons que Élie n'est pas mort. Élie est monté dans le ciel vivant. Le chariot de Dieu a été, était descendu, venu. Était descendu chercher Élie, et Élie est monté au ciel. Mais nous jouons que Moïse et Élie descendent sous tête maintenant, et Moïse et Élie a parlé avec les ça, avec Jésus. Et Luc 9 fait nous connaître que Moïse et Élie t'a parlé avec Jésus concernant mission que les gagnants pour l'accomplir à Jérusalem. Gros cause, oui. Moïse avec Élie. Et moi, je dis, mais pasteur, Moïse mourit, ça Moïse a fait sous tête maintenant. Non, c'est nous qui pensons Moïse mourit. Effectivement, bon Dieu était enterré. Mais moun qui, c'est serviteur bon Dieu, Léo mourit, yo pas mourit tout bon. Yo fait mes yeux sous terre, ça. Y a l'ouvril qui côté ça? Dans les bras du Seigneur. Elie monte. Et moun qui dit, mais parce que qui côté Elie était allé? Ah, Elie était allé dans direction bon Dieu. A pas l'air pour le paraître, là le paraître. Il sous tête maintenant, Elie avec Moïse a parlé à Klessa. Avec Jésus concernant son plan de rédemption. Et puis, pas oublier, gros bagage ça a passé devant combien de disciples? Trois, côté neuf, yo. En bas maintenant. Et qu'on le son pour tirer de ça. Et Pierre qui est gros causé ça, et sauté là, on a fait un coup Pierre. Pierre dit Seigneur, il est bon pour nous là. Ou pas la sortie de bon tout? Et pour regarder Jésus qui a resplendi, Radli qui t'a coulé la lumière qui a resplendi, et puis deux grandes figures de l'Ancien Testament paraît, Moïse avec Élie. Mais qui est-ce qui ne peut pas qui est-ce qui peut pas faire connaissance avec Moïse? N'est-ce pas qui fait Pharaon connaît qui est bon Dieu? Hein? N'est-ce pas qui bon Dieu utilisé pour la guerre 10 plaies en Égypte? Qui est-ce qui peut pas faire connaissance avec Moïse? Regardez bien, nous t'a bien aimé. Baille la main à président pays, pas bon ici là. C'est un grand honneur pour moi, pour me bailler la main à un grand chef d'État. Mais on ne peut pas écrire. Il n'y a pas de plus grand honneur pour me bailler Moïse la main. Moïse, avec la puissance de Dieu, l'ouvrit qui ça? La mer rouge. On n'a même pas honneur que ça, la main. On n'a même pas quelques grands chefs d'État en Europe la main. Mais il y a un plus grand honneur pour moi, pour me bailler Élie la main. Élie, cet homme qui a prié. Et du feu saute dans le ciel. Du feu, oui. Cet homme qui a prié, et puis la pluie tombée. Il prie encore. Si elle l'a pas baillé, la pluie pendant 3 ans et demi. Mes amis, si tu as dit m'baille Élie la main, alors fierté que m'a gagné pour m'baille prophète Élie la main. Alors fierté que m'a gagné pour m'baille Moïse la main. Et Moïse, cet homme qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit les 5 premiers livres. De l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et cet homme qui est qui sont gros icônes,
un gros symbole dans l'Ancien Testament. À un point tel que dans Jean 1er, il dit parole ça, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues qui ça par qui ça par Jésus. Il n'y a pas de l'Ancien Testament, il dit Moïse. Depuis où Moïse, c'est l'Ancien Testament. Depuis où Jésus, c'est le Nouveau Testament. Et si c'est deux grandes figures ça, eux, qui descendent, à qui les y a parlé? À Jésus. Ça, c'est une grosse conférence. Hein? Moïse Chita avec Élie a parlé à Jésus. Il y a trois. Et combien de monde qui a témoigné de grandes réunions ça? Trois disciples. Je suis sûr que tu as remis dans place Pierre, va ça? Je suis sûr que tu as remis dans place Jean, va ça? Je suis sûr que tu as remis dans place Jacques, qui a gardé. Et bien, monsieur, yo, a tendé tout ça qui a parlé. Yo. Yo tendé. Et yo tellement tendé. Pierre prend la parole. Et Pierre prend la parole pendant que Moïse a parlé, pendant que Élie a parlé, pendant que Jésus a parlé. Mais c'est quand est Pierre t'a passé pour le jeune contre Moïse? Quand est Pierre t'a passé pour le jeune contre qui est ça? Élie. Mais Pierre, Jacques et Jean trouvèrent dans une réunion comme ça. Est-ce qu'on comprend pour qui ça Pierre dit Seigneur, il est bon pour nous là, à même d'avoir le bon tout. Oui. Pierre dit, on bâtit trois tentes. Pierre m'a dit pour faire caillou. On a bâti trois tentes. Pierre son aide d'action. Pierre pas joué. Pierre son homme qui toujours bougé. Pierre dit, on bâtit ça trois tentes. Parce que côté Pierre est là, Pierre pas envie de descendre maintenant. Pierre parle de descendre maintenant encore. Mission Pierre accompli là. Il dit, m'a prêté qui ça? Sous mode nan là, on bâtit trois tentes. Pierre est dit pour qu'il reste à faire tentio. Il dit, yun pour vous? Yun pour Moïse? Yun pour qu'il reste à Élie. Et frère, c'est plutôt Pierre pas de parler. Parce que parole Pierre l'a fait de déplacer plus rapide. Et la Bible dit comme ça dans verset 5. Pendant Pierre a parlé, gon nuée lumineuse qui couvrit monsieur dans la réunion. Nuée lumineuse ça, c'est lui, mais oui, dans l'Ancien Testament, que Israël était connu lorsque tu as marché dans le désert là. La Bible a dit que ça a été un nuage qui t'a marché avec eux. Et dans la nuit, là, nuage ça a été l'humain qui t'a éclairé tout. Un million de monde qui était dans l'espace, qui était ténébreux, mais le soir, pas de blackout. Bon Dieu suscitait un nuage qui illumait, qui éclairait tout camp israélite. C'est nuage qui s'appelait Shekinah. Shekinah. La gloire de Dieu. Eh bien, pendant Pierre finit de parler, la Bible dit comme ça, nuage ça descend. C'est lui qui une nuée comment lumineuse descend. Et puis, dans le temps, nuage de la gonne, voix de palais. Voix dit comme ça. Pas oublié, non? Voir parler, c'est par rapport à ça, Pierre dit. Pierre, il a dit un bagaille qui n'est pas correct. Pierre dit comme ça, on bâtit trois tentes. Une pour vous, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Comment ça passe là? Pierre dit un bagaille qui est incorrect. C'est aussitôt que Pierre dit ça, parole la sonné. Pierre te voulait mettre Jésus dans la même catégorie avec Moïse. Dans la même catégorie avec Élie. Regarde ensemble avec mon texte là, on voit que Pierre Domba est incorrect parce que Pierre dit comme ça. Alors aussitôt que Pierre finit ça le dit, Bible a dit comme ça, gon nuée lumineuse qui couvre yo. Et puis gon voix sonner dans ciel là. Voix dit comme ça, celui-ci est mon fils comment bien-aimé. Waouh, ça fait voir dit celui-ci ou ca il démanaliser. Pierre te dit on bâtit trois tentes. Youn pour Moïse, youn pour Élie. Voir sonner aussitôt que Pierre dit ça, voir dit celui-ci, on ne savoir dit là, Moïse gen mission parle, Élie gen mission parle, mais Jésus pas qu'à comparer à youn nan yo. Il dit celui-ci, Jésus ça, est mon fils bien-aimé. Et puis voir dit en lui, hein, en qui j'ai mis qui ça? Toute mon affection. Vous voyez ça? Pierre voulait mettre Moïse, Élie, Jésus dans la même catégorie, puis c'est même temps voir sonner. Pau! Voir dit. Jésus, c'est petit bien aimé dedans. Et moi, maintenant, pile. Et nous tous connaissons que voir ça, c'est voir bon Dieu, papa. Au moment que le voir ça a été sonné, première fois voir ça a été sonné, c'était dans le baptême de Jésus.
lorsque Jésus-Christ a baptisé, Jean-Baptiste plongeait Jésus. Et puis le Saint-Esprit descend sur Jésus sous forme qui ça, il y a une colombe. Et puis on voit qui sont dans le ciel, la même parole là. Celui-ci est qui ça, mon fils bien-aimé. Bon Dieu, pas jamais voulu mettre Jésus dans la même catégorie avec tout le monde. Depuis où fait, ou bah une parole qui est correcte, côté qu'on met Jésus dans la même catégorie avec tout le monde, même temps, bon Dieu, crampé, bon Dieu, parlez. Hé, hey, écoutez bien, celui-ci est mon fils qui ça, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis frère, monsieur, moi, la Bible a dit dans verset 6 là, même temps, même moment, Bible a dit comme ça, même voix qui dit, en qui j'ai mis toute mon affection, dans verset 5 là, on a dit, écoutez-le. Écoutez-le. T'es comme là, Moïse, t'es une mission. T'es comme là, Élie, t'es une mission. Kounia, seule mission, c'est qui mission qui est ça? Jésus. Moïse, pas qu'à sauver personne. Élie, pas qu'à sauver qui ça? Personne. Seul monde qui a sauvé un péché perdu, c'est qui ça? Jésus. Et ce qui laisse pour nous écouter? Jésus. Écoutez-le. Et puis dans verset 6, au même tout, avec mon tape même genre, il dit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils tombèrent sur leur face. Et je pense que ils n'ont pas tombé seulement parce qu'ils ont peur. Mais ils ont tombé. Ouais, voix mon Dieu, lève, voix mon Dieu sonner. Automatiquement que voix mon Dieu sonner, son seul barrage qu'on va faire. Descendons et puis adorer. Ou pas qu'à camper devant le Dieu Tout-Puissant. Ou pas qu'à camper devant la grandeur de Dieu. Il dit comme ça, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et puis Jésus, verset 7 là, approché de eux. Jésus dit comme ça, il touche et puis il dit comme ça, levez non, pas peur. Et puis on note comment verset ça a fini. Ils levèrent les yeux et ne virent que qu'il est ça. Côté Moïse fait, Moïse pas là. Côté Élie fait, Élie pas là. C'est seul qui est sur eux, Jésus seul. Auteur qui écrit mon seul appui, c'est l'ami céleste là, ces deux versets ça l'a inspiré pour le décrire. Il dit, mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Il dit, les anges s'en vont, cet ami me reste. Qui ça? Jésus seul, Jésus seul. Le Moïse qui a exercé le ministère, c'est pour te pointer du doigt, c'est Jésus qui a aidé. Dans Deutéronome, Jésus, Moïse a dit, peuple, comme ça, m'a fait travail, moi, mais grand jour qui a venu, l'éternel Dieu vous suscitera un prophète. Il te fait référence à Jésus. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Lorsque Élie t'a fait ministère, il t'a préparé la voie pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque Jésus-Christ paraît, c'est seul Jésus qui paraît pour sauver l'humanité, pour sauver un pécheur qui est perdu. Lorsque la Bible a une histoire, ça, c'est bon histoire, bah, il dit, pasteur, histoire, bah, il finit la rue, mais ça, il finit. Eh bien, écoutez bien, lorsque l'histoire est dans la Bible, c'est pour moi de mon Dieu pour l'ouvrir les yeux, pour qu'on ait qui s'est caché derrière l'histoire, ça. Ce n'est pas l'histoire qui est importante seulement. C'est le principe qui est l'histoire, oui. On a regardé avec nous bien vite le principe là. Regardez, Jésus-Christ prend 3 dans 12 disciples, il y a en alphon route. Lorsque Jean histoire déroulée, Jésus-Christ prend le fait 3 dans disciples, il connaît une façon que pièce pour ne pas connaître. Il prend le connaître Jésus, Jean-Jésus-Christ. So Jesus took his disciples. And you know, Jesus had 12 disciples, but he took only 3 of them. He went up a mountain to show them something. And he's about to show them something that the rest of the disciples do not have any idea. The rest of the disciples do not know anything about. He's about to show them who he really is. Gen 9 qui est dans ma monde, et yo 3 seulement monte mon nom. Et puis Jésus-Christ va nous montrer qui est Jésus. Regardez bien. Où qu'on est que, où qu'il doit sauver, moi, j'aime connaître Jésus. Grande différence, oui. Grande différence entre être sauvé et connaître Jésus. There is a big difference between being saved and knowing Jesus. Je me dis, pasteur, ça fait ça. Jésus qui a 12 disciples. Combien de disciples il prend pour choisir pour monter sur tête monde avec eux pour la montrer qu'il est lié? 3. Côte 9 yo en bas monde. Est-ce que yo c'est disciples? Oui. Est-ce que yo jambe ouais ça toi était ouais? Non. Comme sommes dans l'église nous jeudi a gain deux groupes monde. Gain 9 en bas monde, 3 sur tête monde.
9 qui pas jamais connu qui est Jésus. 3 qui vraiment connaît. 9 qui sauvé. On a dit moins 1, a toujours moins 1, Judas pas jamais sauvé. Avec 3 non seulement yo sauvé, qui s'est passé? Yo connu qui est Jésus. Gem qui dit pasteur, c'est ce qu'on s'est là, c'est principe qu'on doit tirer là. Qui sont les gens qui doivent faire pour connaître Jésus? Mais premier bagage que nous tirons dans le passage là, il faut connaître sa personne. Il faut connaître dans Jean Lié. La Bible dit comme ça, dans verset 1er, verset 2, il fut transfiguré devant eux. En d'autres termes, Jésus-Christ qui est en bas maintenant, ce n'est pas même Jésus qui est sous tête maintenant. Et yo ouais Jésus, visage lui brillait tant qu'on soleil, vêtements brillaient tant qu'on lumière. Regardez, au fond de ça, Jésus montre là, Jésus est sous tête maintenant pour Jésus dire comme ça. Vini non, je vais montrer nous, mais comment me taire l'impact sous terre. Mais comment me taire avant de venir sous terre. Comment me taire? Dans la gloire, avec un visage glorieux. Vous imaginez la présence de Jésus sous tête maintenant, tant qu'on gros soleil. Et tout rappelé l'humain. C'est pas qu'il a fait 10 disciples courir. Mais il te voulait montrer. Yo. Mais qui laisse moi? Écoutez bien, pour connaître Jésus, tout bon vrai, faut connaître Jésus, il faut connaître sa personne, son vrai visage. Vous connaissez tout le monde qui a marché derrière Jésus, pas connaître Jésus dans le même niveau. Ah, notez ça bien. Principe ça attire. Tout le monde qui a marché derrière Jésus, pas connaître Jésus dans le même niveau. Jésus qui est 12 disciples. Il y a 9 ans qui connaissent dans le niveau en bas. Il y a 3 ans qui connaissent dans le niveau ça. Sous tête monde. Et nous, chaque là, a besoin de déterminer le matériel. Qui compte nous? Par rapport à monde, qui compte nous? Bon, il y a des gens qui ont toujours pensé que depuis que je suis sauvé, je suis 4 membres de l'église, je marche l'église, je chante, je monte et descendre, faire activité de l'église, ça suffit. C'est très bien, toute activité ça. Mais il y a une question qui est nécessaire. Par rapport à monde, qui compte en bas monde, ou bien sous tête monde? Est-ce qu'on connaît le vrai visage de Jésus? Il faut connaître Jésus dans sa personne pour qu'on apprenne Jésus. Deuxième bagaille, non seulement il faut connaître sa personne, mais il faut connaître sa puissance. Il faut connaître sa personne, de dire, il faut connaître qui est Jésus. Il faut connaître sa puissance, de dire, il faut connaître qui ça Jésus a fait. Il faut connaître qui ça le a fait. Si on ne connaît qui ça Jésus a fait, le monde ça faut trembler. Il faut connaître qui est avec nous. Regardez, l'offre où est Jésus sous tête dans ton soleil. Rappelez qu'il l'humain. Lorsque Jésus est avec vous, qui sont capables encore? Rien. Il faut connaître sa personne. Il faut connaître sa puissance. Ah, monsieur, vous expérimentez une puissance en l'air. Et pas tes affaires. Vous expérimentez un visage de la personne de Jésus-Christ. Et pas tes affaires. Ah, nous comprenons. Pour qui ça pierre comme ça, c'est un lit bon pour nous là. On ne peut pas descendre, non, Seigneur. On ne peut pas descendre. Il faut connaître sa personne. Il faut connaître qui ça? Sa puissance. Mais quand toi, c'est pareil dans le passage là que nous, pendant que nous sous tête maintenant, nous avons des paroles, nous pas jamais entendu avant. Qui est-ce qui t'a parlé sous tête maintenant dans la réunion? Moïse. Qui est-ce qui t'a parlé encore? Élie. Qui est-ce qui t'a parlé encore? Jésus. Regardez. De qui ça, nous avons parlé? Nous avons mis des paroles, bon Dieu, à terre. Gros étude biblique a fait sous tête bonne ça. T'as remis dans la conversation ça pour Jésus Abdi Moïse. Ah, moi. Vous songez qui travaille au défense en Égypte? Moi, yeah, oui, Seigneur. Nous te travaillons en Égypte pour la cause de Dieu. Et moi, vous songez le bon Dieu de Dieu dans le désert, n'a pas frappé Roche là. Et c'est parler pour parler à Roche là. Et puis à cause de vous te frappé Roche là, au lieu de parler à Roche là, vous songez. Ou songe m'te dou pa mandre Canaan? Moi il dit oui, me songe ou te dou pa mandre Canaan. Jésus qui dit moi, ou songe m'te enterre ou step mandan? Et moi te fais enterrement? Moi il dit oui, me songe ou te fais enterrement. Ou fouillon tout m'te oué. Ou songe m'te dou pa mandre Canaan? Moi il dit oui. Et puis Jésus qui dit comme ça, ah, malgré m'te dou pa mandre. Ou te vle entrer, pas vrai? Moi il dit ah, m'te vle entrer. Moi, malgré ça te printemps, moi fais m'entrer. Qui sont qu'on est Canaan? Canaan, c'est quoi ces côtés? Ces côtés, juifs qui étaient venus après Moïse vient de mourir. Et si Moïse n'est pas rentré dans l'heure de l'entrée, mais voilà que nous venons Moïse dans le pays,
Parce que moi, je suis sous tête maintenant, la parole avec ça, avec Jésus. Et si, faut nous corriger la théologie, nous. Parce que nous disons ça, Moïse te fait en colère, et à cause de la colère, là, bon Dieu, pas de quitter l'entrée Canaan. Moïse te rentré, oui. Moïse pas de rentrer dans l'heure pour te rentrer. Mais le Moïse, je suis sous tête maintenant, la parole avec Jésus, côté de là. Canaan. Vous comprenez? Ouais, juste côté Bible, là, le corriger, nous. Dans Matthieu 17. Regardez-le, monsieur que Jésus-Christ a dit Moïse, vous songez toute parole comme t'es bon écrit dans Genèse, Exode, Lévitique, nom de Théonome. Moïse dit oui, son inspiration, cet esprit, Seigneur, nous t'es écrit. Oui. Puis Jésus-Christ dit Moïse, nous allons faire un gros travail là, faire monter à la croix. Tout le bagage qui était passé dans ces testaments, tout le bagage côté écrit, c'est pour l'accomplir là. Quand vous dites, pasteur, quand vous voulez poser ça, l'orive la caillou, allez dans Luc chapitre 9, verset 26 à 36. Ou après que même histoire là fait qu'on est que yo t'a parlé concernant bagaille Jésus Christ va l'accomplir à Jérusalem. Gros parole mes amis pour m'ta chita dans une réunion côté que Moïse a met à terre qui est encore Élie a met à terre qui est encore Jésus a met à terre même bagaille Pierre t'a fait c'est un pas descendre maintenant non m'pas descendre maintenant tout là trois attendre une pour Moïse une pour ça Élie regardez pour connaître Jésus un. Il faut connaître sa personne. Il faut connaître son vrai visage. Le vrai visage de Jésus, ce n'est pas son visage humain. Le vrai visage de Jésus, c'est son visage divin. Son monde croit dans Jésus, homme, ou pourquoi croit dans Jésus? Pour croire dans Jésus, il faut croire dans Jésus, Dieu. C'est seulement l'on croit dans Jésus, Dieu qui va me sauver. Disciples, en pile dans eux, tu connais le visage humain de Jésus. Mais c'est toi dans eux qui t'es arrivé à connaître le visage divin de Jésus. Sous tête maintenant. Grand pile monde dans le monde qui croit dans Jésus homme. La, le personnage historique de Jésus, mais il ne croit pas dans Jésus Dieu. Et pour sauver, il faut croire dans l'homme, il faut croire dans qui ça? Dans Dieu surtout. Parce que 1 Timothée 2, verset 5 dit par Osaïo, il y a un seul Dieu, comment? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ça? Jésus-Christ, homme. Ainsi, pour connaître Jésus, il faut le connaître sur son vrai visage. Il faut connaître sa personne. Ce n'est pas seulement un Jésus historique. C'est un Jésus rédempteur qui est venu sauver l'humanité. Il faut connaître sa personne. Deuxièmement, il faut connaître sa puissance. Sa puissance. Il faut connaître ça le café. L'apôtre Paul Gon, je l'ai exprimé ça dans Romains 1, verset 16. Paul dit comme ça, je n'ai point honte qui ça, dans l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut qui ça, de quiconque quoi. Lorsque Jésus qui se rentre dans la vie au monde, c'est puissance là qui entre. Puissance ça le café, grande chose pour nous-mêmes. Il a sauvé, il a mené dans le ciel, il a changé la vie. De Corinthiens 5, 17 dit comme ça, si quelqu'un est comment? En Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici comment toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Il faut connaître sa personne, il faut connaître sa puissance, mais il faut connaître sa parole. Monsieur sous tête maintenant. Pas oublier, c'est Jésus qui mène sous tête maintenant. Pour Jésus, il fait ouvrir des choses, oui. Les gars, tant des paroles. Mais combien de temps vous faites sous tête maintenant? Je ne sais pas. Mais vous faites un bon petit temps. Il est possible de faire moitié en journée. Plus que ça, même pas qu'on est. Mais vous êtes sous tête maintenant, bon petit temps, vous avez bien conversé. Et disciples, vous trois dans vous entendez belles paroles. Côté neuf, vous êtes. Et qui côté neuf, vous êtes? En bas maintenant. D'ailleurs, neuf, vous n'avez jamais compris ça que vous parlez. Parce que Jésus qui te dit comme ça, pas dit personne comment? En rien. Jusqu'à ce que vous ressuscitez. Et puis, ce qui ça nous est? Le Pierre dit comme ça, on bâtit trois temps. Pas oublier, c'est précis que nous cherchons. Nous cherchons pour qui raison Jésus-Christ mène sous le monde. C'est seulement l'histoire. Et pour dire Amen, nous ne pouvons pas comprendre. Il faut qu'on principe là, oui. Jésus-Christ mène sous le monde, puis il est capable de connaître qui laisse lié. Il mène sous le monde, puis il est capable de connaître qui puissance lié. Il mène sous le monde, puis il est capable de parler des paroles que j'aime entendre. Et puis, sous le monde, il va écrire sous le monde. C'est lorsque Pierre dit comme ça, on fait 3:30, une pour Moïse, une pour Élie, puis même temps, Paul voit parler. Qui voit qu'on est parlé à? Voit papa mon Dieu. Parce que voir dit comme ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, bien-aimé. Regardez, regardez, regardez. Vous voulez connaître Jésus? Ou est-ce que vous voulez connaître Jésus comme il est? Il faut connaître sa personne, son vrai visage, son visage divin. Il est Dieu. Il faut connaître sa puissance. Il peut tout faire. Il est le Dieu de gloire. Le nap chante, le nap dit dans Somme 24, porte élevée volento. Élevez les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée. Mais Jésus-Christ, sous tête monza, libre
à trois de disciples, que c'est qui ça? Le roi de gloire. Le roi de gloire, il montrait ça. Mais non seulement il montre disciples sa personne, sa puissance, sa parole, il montre disciples, mais qui est-ce qui parle? Il faut connaître la personne de Jésus-Christ. Il faut connaître la puissance de Jésus-Christ. Il faut connaître la parole de Jésus-Christ. Et dans le passage ça, pour disciples qui connaissent qui est Jésus, Jésus-Christ fait papa dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et si pour nous connaître Jésus, il faut connaître sa personne, il faut connaître sa puissance, il faut connaître sa parole, il faut connaître son Père. Son Père. Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, qui ça? La vérité, la vie, nul ne vient au Père, qui ça? Que par moi. Pas de papa sans petit, pas de petit sans papa, tous les deux sont seuls. Il y a de grandes religions sous terre qui disent ça. Jésus-Christ, pas important. Nous avons joué un papa sans papa, c'est pas petit. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, ouais, Jésus-Christ seulement comme un grand-mère. Et peut-être ça, des fois, l'un a prié, nous qu'on dit, nous qu'on référé à Jésus comme grand-mère. Il est un grand-mère, et pas un grand-mère lié. Il est le grand-mère. Même pas un évangéliste, j'ai dit ça, non? Parce que franc-maçon nous utilisait le trop. Jésus-Christ n'est pas seulement. C'est pas un grand maître lié. Il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est peut-être ça. Et peut-être ça. Si on connaît que aucun joint bon Dieu sans passer par Jésus, par où? Parce que Jean 14, verset 6 dit comme ça. Jésus-Christ dit à bouche pas, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par qui ça, que par moi. Et si je me parle à prier pour me traiter Jésus-Christ de. Grand maître. Jésus-Christ n'est pas seulement mon papa ou maître. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. Et il est le roi qui ça? De gloire. Le roi de gloire. Moun qui vraiment connaît Jésus-Christ, il faut qu'on sa vraie personne. Il faut qu'on sa puissance. Sa le café. Il faut qu'on sa parole. Il faut qu'on ait qui ça encore. Son Père. Le Père. Dieu le Père. Regardez. L'autre des voix, papa, bon Dieu, qui a sonné dans le ciel là. Et pas tes affaires, non? C'est pas un gros orage qui gronde, oui. Bon, il y a un pile dans notre père l'orage. Il y a un qui gros grand monde, l'orage gronde dans le cachet en bataille. Nous n'avons pas attendre de bruit l'orage. Regardez, le disciple entend des voix son dans un tonnerre. Celui-ci est mon fils, comment? Bien aimé. Puis voix dit, en qui j'ai mis qui ça? Toute mon affection. Vous connaissez, les bons diables parlent, ça fait monde tellement peur. Gonle. Peuple Israël là, leader contre Moïse, je dis Moïse comme ça. Nous peuple, bon Dieu parle, nous pas attendre voile. Tant pour souple. Ou pas qu'elle parle avec le roi dit nous ça le dit. Tellement il était peur. Tellement yo tremblé les bon Dieu a pas dit Moïse, tant pour nous peuple, parle avec dit nous ça le dit. Parce que là parler nous comment nous trembler. Ah voix sonner sous tête maintenant. Celui-ci est mon fils comment bien-aimé. Regardez, vous mettez contre toute bagaille qui est sous terre. Vous mettez toute savoir que la terre offre. Si vous n'avez pas bon Dieu comme papa, ou pas qu'on a rien. Vous pas jamais capable de connaître Jésus, si vous pas qu'on papa. Et vous n'avez pas jamais capable de connaître papa, si vous pas qu'on petit là. Parce que dit comme ça, Jésus dit comme ça, moi et le Père, nous sommes comment? Un. Nous sommes un. Ainsi, si vous voulez connaître Jésus tout bon, vous voulez connaître papa, il faut qu'on voit papa. Jean 3, 16 dit comme ça. Car Dieu a tant aimé comment? Le monde qu'il a donné, qu'il a son Fils unique. Et lorsque la Bible dit comme ça, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, ça ne peut pas être seul grain petit. Le mot grec là, c'est monogéné. Monogéné veut dire le seul en son genre. Pas grand rien capable de comparer à Jésus-Christ. Bouddha pas à comparer. Mahomet pas à comparer. Shinto pas à comparer. Tao pas à comparer. Les grands qui derrière les grandes religions de la terre pas à comparer. Et s'il faut connaître son Père, Dieu le Père. Et va terminer. Bible a fait connaître verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis qui ça d'une grande frayeur. Verset 7. Il dit, mais Jésus s'approchant les toucha et qui ça le dit, levez-vous. N'ayez pas peur. Et puis dans les dernières phrases qui clôturent l'histoire là, ils levèrent les yeux
et ne vivre que ça, que Jésus seul. Et au compte ça, Jésus seul s'est impliqué. Moïse, c'est ton grand serviteur de Dieu. Mais Moïse pas suffit pour sauver. Moïse pas qu'à sauver. Élie, c'est ton grand serviteur de Dieu, mais Élie pas qu'à sauver. You know, it's important for each and every one of us to understand that just as Jesus put it, the only person that God has given us to save us is Jesus Christ. The Bible is clear, for God so loved the world that the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, so that they should have come up everlasting life. So Jesus took his three of his disciples up a mountain to show them who he really is. And finally, what does three disciples learn? They learn that Jesus is the only one who can take them to heaven. He is the only Savior, the only Redeemer that God has given to save humanity, to save sinners. Et sinon, non pas ça, et sa Bible dit comme ça, les disciples levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. On s'arrivait, non seulement trois disciples recevront leçon sur la personne de Jésus, non seulement ils recevront leçon sur la puissance de Jésus, non seulement ils recevront leçon sur la parole de Jésus, non seulement ils recevront leçon concernant le Père de Jésus-Christ, mais ils recevront leçon tout sur la prééminence de Jésus-Christ. Prééminence, je l'ai dit, pas de monde qui dépassait Jésus. Par exemple, les grands de la terre, que c'est dans le domaine religieux, que c'est dans notre domaine, son éminence, ou bien son excellence. Regardez, Jésus-Christ est prééminent. Il était éminent avant tout ça, qui est éminent. Yo? Pas de temps cool. La Bible dit comme ça, disciples levez les yeux, et c'est que les yeux, Jésus seulement. Vous avez dit, pasteur, ça, moi, dans Matthieu 17, là, je voulais connaître Jésus. Quoi est-ce que vous voulez connaître Jésus? Hein? Est-ce que vous voulez connaître Jésus maintenant? Regardez, il n'est pas suffi pour moi pour me dire Jésus comme sauveur seulement. Même je voulais connaître Jésus. Je voulais connaître le vrai visage de sa personne. Je voulais connaître ça, le café, sa puissance. Je voulais connaître la parole. Hein? Je voulais connaître la parole. Moi, je voulais, non seulement connaître la parole, je voulais connaître papa, mon Dieu, plus que je me connais là. Elle veut plus connaître Jésus-Christ dans la prééminence. En pile, nous voulons connaître Jésus. Même temps, je vais attirer l'attention finalement sur le premier verset. Si vous voulez connaître Jésus-Christ dans cinq aspects, il faut qu'on fasse sacrifice ça, oui. Dans le verset premier, il dit comme ça, Jésus prit trois de ses disciples, il les conduisit pour ça, à l'écart. À l'écart, on lui dit, they sacrifice the time to let Jesus take them aside so that they know, so that they learn who Jesus is. Regardez, si vous ne mettez pas ton petit temps à côté, if you don't make time to know Christ, you will never know Christ. If you don't make time to know who Christ is, you will never know Christ. But if you don't put time aside to learn about Christ, you will never know Christ. Alors, yon moun ka konn Jésus avec yon simple la prière le matin ou al travail, yon simple la prière le soir sur le travail, et puis yon simple vin l'église, une heure de temps, et puis ou al travail, ça suffit pour konn Jésus. L'autre ap pren bachelor's degree là, c'est dans yon semaine ou te fait? L'autre ap pren master degree là, c'est dans yon mois ou te fait? L'autre ap fait doctorat là, c'est dans 6 mois ou te fait? Comment on comprend ou te paye 2 ans pour un associé? 4 ans pour un bachelor, n'importe 6 ans pour un master, n'importe 3 ans plus pour un doctorat, et puis pour penser, ou quand on finit un gros chrétien, à raison de une heure par semaine, t'as la fait. Ou a toujours été en bas maintenant. Ou a mouru en bas maintenant. Mais même si j'ai une nouvelle pour, je ne vais pas venir dans ma maintenant. Combien de nous ne pas venir dans ma maintenant? Je vais sous tête maintenant. Je vais parmi toi, Pierre, Jacques, Jean, parle au simple membre de l'église. Au simple membre de l'église qui seulement a réglé 5 bagailles dans le corps de Dieu. Toute la journée dans le corps de Dieu, son seul bagaille a réglé. Dossier travail, dossier mariage, dossier caille, dossier petit, dossier, toute qualité de dossier. Alors que, bon Dieu a réglé tout dossier ça, mais un dossier qui dépassait dossier ça. Qui dossier lié? Connaît Jésus personnellement.
lorsqu'on dit Jésus personnellement, ou pas un bon Dieu comme un bon Dieu qui seulement capable de travailler, ou un bon Dieu comme un bon Dieu qui capable de faire tout bagay. Et si matin, pendant que nous marchons pour la caillou, bon choix pour faire. Est-ce qu'on prête en bas maintenant? Ou bien est-ce qu'on prête qui ça? Sous tête maintenant. Et comme ça, ça m'a dit, make time. Put time aside. David te dit comme ça, dans une nation, livre-les habiter dans la maison de l'Éternel. Joute dans fin jour. C'est là que vous voulez. David te dit comme ça, dans une nation, mieux veut me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter qui ça, sous les temps de la méchanceté. Frère, je vous bien. M'espérer que principe moins ouais là yo principe moins découvrir ou est que l'éclair pour connaître Jésus faut suivre principe yo. You have to make time, you have to take time to read his word, you have to take time to meditate on his word, you have to take time to apply his word. Mais les hommes pas demander tout sacrifice ça yo sur le plan académique pour le bon diplôme, pour le bon degré, pour que bon Dieu pas de rien pour le mettre sous tête monde. Et si l'on prend la caillou, on nous prend décision ça ensemble matin. We do not, we refuse to stay at the feet of the mountain. We want to be on top of the mountain with Jesus. Et là nous sous tête monde là vous savez, n'a pas sa personne, n'a pas qu'il est tout bon. N'a pas sa puissance, n'a pas qui ça le café tout bon. N'a pas de gros gens paroles. L'homme sous tête, c'est qui ça qui a passé encore? N'a pas tant de voix qui ça. Papa, voix papa. Et puis l'homme sous tête, maintenant, n'a pas connu que Jésus est vraiment prééminent. L'homme levé les yeux, nous n'avons pas fixé les genoux sur l'homme, n'a pas fixé les genoux sur ça, sur Jésus. Il y a un monsieur qui allait à l'hôpital, qui allait au docteur plutôt, et monsieur a souffert d'allergie, la loi allergologue. Et allergologue l'a dit, monsieur, comme ça, pas grand rien capable de faire pour vous-même. Il pose quelques questions, il dit comme ça, ou allergie avec chien. Il dit, monsieur, est-ce qu'il y a un chien là, caillou? Monsieur a dit, oui, effectivement, ça a 6 mois de cela, madame, moi, t'achète ton gros chien pour $3,000. Allergologue l'a allé, et il dit, monsieur, comme ça, seul Jean pour porter, seul remède, seul cure qui a pour allergie là, et l'arrivé à la caillou, il faut mettre chien dehors. Il faut mon cadeau chien. C'est ça que remède là. Effectivement, monsieur bien content. Il est guéri parce que c'est chien problème. Monsieur est arrivé là, il dit madame dans ça. Il dit madame, non, ça m'a le docteur. Le docteur a dit comme ça que moi suis allergique avec chien. Et il faut mettre chien dehors. Madame a dit monsieur comme ça. Je suis sorry pour vous, c'est où pour aller. C'est où pour aller, pas qu'à mettre chien dehors. Il faut que c'est où pour aller vous-même. Chien à prêter. Et mon guide, mais pasteur, qui ça pour me tirer de ça? En pile fois, bon Dieu voulait rentrer la caille, non? Remettre là, voulait rentrer la caille, non? Mais nous ne pouvons pas mettre qui ça? Péché au dehors. Pas grand qu'un jeune, nous avons sous tête mon nom Jésus, mais péché au dehors. En plus, mon t'a dit, matin, pasteur, bon mon nom pour moi. Depuis matin, un nègre mon nom. Un nègre mon nom, bon tête mon nom pour moi. Un nègre mon nom. Matin, le nègre mon nom. Mais pour nèg mon dans Bible ça coûte cher. Ou pas les sommes 24? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint? Vous voyez ça qui dit ça? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Résultat, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ça maintenant ces messages parole mon Dieu. Il y a des gens qui disent des fois, nous sommes dans une grande église, gros message, gros pasteur, un pile monde, pas qu'une église a chargé, ça n'a pas compté dans les yeux, mon Dieu. Vous savez qui ça compte? Dans tout le monde qui sort de l'église, combien qu'on va maintenant, combien qu'on est maintenant? Et maintenant, mais à qui ça me voit là, Kayo? Par exemple, maintenant, je vais dire sous tête maintenant. Amen. On nous chante parce que nous devons prier. Chant en feuille ou à serrer mes pieds près, tout près que vous. Ou c'est trésor moins et vous sauvez tout. Qu'est-ce que mon Dieu d'amour, fais-moi venir au côté pour me cacher. Non, on nous campe pour nous chanter. Serrer mes pieds près. S'ouvre sous tête pour nous chanter, oui. Tout près que vous. Chantez, chante ça comme on veut. Ou c'est trésor moins et vous sauvez. Chantez, chante ça comme une prière.
bon Dieu d'amour, fais-moi joindre un côté pour me cacher. Fais-moi joindre un côté. Chante ça, c'est chant qui devrait rester sous tête moi. Chantez. Deuxième histoire. C'est vrai, puis près ou pas dans vie ça. Alléluia. J'entends-moi là avec vous dans la gloire. Pour moi, rêter toujours avec vous. C'est pas pour moi ça. Moi la gué péché ma toute l'orgueil. Moi la gué péché à toute l'orgueil. Bon seul manger. Seigneur, bon seulement Jésus, Seigneur. Oh, mes gros engagements, quatrième souffle, chantez ensemble. Pendant vie ça, joue-t'en, là, avec vous, dans la vie. Pour moi rêter, joue avec vous, puis près ou sauver, puis près ou toujours.